Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être de retour chez Dinty's et surtout de voir autant de visages familiers dans la foule. Plusieurs familles qui sont ici aujourd'hui étaient avec nous au mois de mai l'an dernier, lorsque nous avons présenté pour la première fois notre plan pour les Canadiens de la classe moyenne. Je tiens à remercier toutes les familles qui sont de retour aujourd'hui et qui prennent le temps pour venir me donner de leurs nouvelles. J'avais particulièrement hâte de rencontrer Charlotte, qui, me dit-on, a suivi de près la politique fédérale au cours des derniers mois. Je sais bien que mes enfants grandissent trop vite, mais de revoir tous ces jeunes, ça me rappelle à quel point tous les enfants changent en l'espace d'un an. C'est normal. Tous les parents savent cela. You go to soccer practice on Tuesday night and the cleats fit. But you get to the game on Saturday morning, and all of a sudden, you're scrambling to find the closest Canadian Tire with fingers crossed that they have the next size up. Unfortunately, for too many Canadian families, things like new shoes and healthy groceries and summer camp and class trips are a real strain on the family budget. And if you're struggling to make it into the middle class, it's even harder. C'est pourquoi, il y a 14 mois, je suis venu ici et j'ai promis aux Canadiens que les choses allaient changer, que le gouvernement que je dirigeais allait arrêter d'envoyer des chèques de prestations pour enfants à des millionnaires, que nous ferions plus pour aider à renforcer et à faire croître la classe moyenne en offrant notamment de l'aide supplémentaire aux familles pour les aider à assumer les coûts élevés d'élever leurs enfants, et que nous ferions ça en introduisant un nouveau programme, l'allocation canadienne aux enfants, qui sera plus simple, non imposable et plus généreux pour 9 familles sur 10. Aujourd'hui, nous réalisons cette promesse. La nouvelle allocation canadienne pour enfants a maintenant été versée pour la toute première fois. Today, we've delivered on our promise. The first payments of the new Canada Child Benefit have now been made. And I want to spend a moment to talk about what this means for Canadian families. For families like Genevieve and her two beautiful children, William and Nicolas. Genevieve is a single mom. She earns less than $50,000 a year. This year, William is going into grade 2, and Nicolas is starting kindergarten. It's an exciting time for the family, but it also means double the back-to-school costs. So that she can work and so the kids can have a fun summer, both Nicolas and William are enrolled in a day camp over these months. That's an additional expense. And I talked about soccer earlier. William plays at a school. It's less expensive than a private club, but there are still extra costs for Genevieve to pay. All of these little things, things that we do to make sure that our kids have great childhoods, they add up. And for someone like Genevieve, who's already finding it tough to make ends meet, a more generous and tax-free benefit like the CCB will make a real difference. For Genevieve and her family, the CCB means $848 each and every month, tax-free, starting today. C'est pour des familles comme la sienne que l'on a fait cela. Pour les parents qui travaillent fort comme Genevieve, pour des grands-parents comme Paul et Lise, qui ne demandent rien de plus qu'une chance égale et réelle de réussite pour leurs enfants et la possibilité de bâtir une vie meilleure pour leurs petits-enfants. On le fait pour des centaines de milliers d'enfants canadiens qui sortiront de la pauvreté grâce à ce nouveau système de prestations. Ces enfants pour qui l'allocation canadienne aux familles pour enfants est un tremplin vers l'avenir brillant auxquels ils ont droit. Pour moi, l'annonce aujourd'hui est bien plus que chose promise, chose due. Je sais que l'allocation canadienne aux enfants fera une véritable différence dans la vie de millions de familles canadiennes et c'est donc leur future réussite que nous célébrons aujourd'hui. Merci encore d'être ici. Je vais maintenant prendre vos questions.